Bonjour au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse. Il y a des métiers que nous connaissons bien, vétérinaires, soigneurs, mais connaissez-vous le métier de biologiste des populations? Il est exercé ici par Charlotte. Présentation de ce métier pas comme les autres, mais qui a une vraie importance dans la préservation des espèces. Le parc de Mulhouse est le seul parc en France à avoir une biologiste des populations à plein temps. C'est quoi le rôle d'une biologiste des populations? Alors le rôle d'une biologiste des populations, ça va être d'accompagner les coordinateurs de programmes d'élevage des espèces menacées dans la gestion quotidienne. Ça va être à la fois la gestion démographique, donc le nombre d'animaux, qui peut reproduire, qui doit arrêter de reproduire temporairement, etc. Et la gestion aussi génétique. L'idée, c'est vraiment de limiter la consanguinité dans les populations. Donc on va faire des analyses et donner nos recommandations à tous les zoos européens qui ont les espèces. Par exemple, pour les lémuriens aux yeux turquoises, comment est-ce que cela se passe? Le but, c'est vraiment d'avoir le plus de reproduction possible. Ça fait partie des 25 primates les plus menacés au monde. Et la population qu'on a dans les zoos européens est aussi toute petite. On a environ 20 individus. Et donc, on va vraiment suivre de très près la reproduction. On va entraîner les femelles, par exemple, à faire des échographies pour pouvoir les détecter le plus tôt possible, pouvoir les suivre au mieux et vraiment avoir une gestion optimale de la reproduction en captivité. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment que tout est lié à la conservation et également le côté collaboratif, à la fois avec les équipes ici au zoo de Mulhouse, mais aussi avec les équipes d'autres zoos en Europe. On va vraiment travailler tous ensemble dans un but commun pour aider ces espèces et pour pouvoir un jour peut-être utiliser ces populations pour qu'elles puissent retourner dans la nature et venir renforcer les populations sauvages. Pour découvrir les programmes de préservation auxquels Charlotte participe, rendez-vous ici au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour vous présenter d'autres métiers du Parc de Mulhouse.